Bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Spéculation autour du détournement des fonds destinés à l'achat d'armes en Afrique du Sud. Le gouvernement congolais retrace près de 50 millions de rands détournés par un officier militaire auprès d'une société sud-africaine. Le point avec Maxime Akabo. Contrairement aux rumeurs et spéculations distillées sur les réseaux sociaux sur les détournements de l'argent destiné pour l'achat d'armes en faveur de forces armées de la République démocratique du Congo, la vraie information est celle de savoir que le gouvernement congolais a retracé près de 50 millions de rands détournés par un officier militaire auprès d'une société sud-africaine. L'affaire remonte à pratiquement 2 ans. Lorsque le gouvernement de la RDC avait conclu un contrat d'achat d'armes avec une société sud-africaine dénommée DENEL. C'est alors que l'ambassade de la RDC avait effectué un versement de 49,6 millions de rands au groupe DENEL, mais n'ayant pas été en mesure d'honorer la commande dans les délais, DENEL avait pris les dispositions des remboursements du montant perçu à l'ambassade de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'en décembre 2022, le gouvernement congolais avait mis fin au contrat les liant à cette firme et de même, le général de brigade Ngoy, l'attaché des défenses, n'était plus qualifié pour engager les pays. Mais chose étonnante, le général Ngoy s'était organisé pour se présenter frauduleusement et illégalement auprès des DENEL en tant que représentant de la RDC, malgré les retraits de son mandat. Prenant ses fonctions de VPM de la Défense en mars 2023, Jean-Pierre Bemba Gombo tombe sur les dossiers et lance des enquêtes pour retracer cette somme importante. C'est ainsi qu'à travers une correspondance datée de janvier 2024, dont votre rédaction a eu accès à son contenu, Jean-Pierre Bemba a requis au nom du gouvernement congolais de localiser et de restituer à la RDC cet argent remboursé par l'entreprise DENEL. Et voilà ce qui a permis, d'après nos sources, aux autorités sud-africaines de mener des investigations nécessaires qui leur ont permis de retracer cet argent. Nous félicitons et remercions le gouvernement de la République, surtout le VPM de la Défense pour son implication personnelle qui a permis aux autorités sud-africaines de retrouver cette somme. Ainsi, le gouvernement pourra récupérer son argent, s'est réjoui sous les sceaux de l'anonymat un officier général depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et puis, les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katebwe, a au cours d'un briefing presse désapprouvé les propos du cardinal d'Alain Bongo sur les adhésions à la rébellion alliée aux terroristes du M23. Les propos du cardinal sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux, a dit Patrick Muyaya, ajoutant que c'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Nsolé, où il évoquait plutôt le besoin d'un courageux. Suivez. Je vais commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que le fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer? Parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion,
massif. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger, que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes? Nous avons atteint des records, aujourd'hui on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes, l'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il faudrait pas et de la santé. Alors, il faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans, maintenant il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est le nôtre. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral ou il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais, pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos parce que ces aventuriers visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme république. Restons toujours dans ces chapitres. Le propos tenu par le cardinal Fridolin Ambongo lors de l'homélie dans la messe de Pâques sont qualifiés d'extrêmement graves par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui estime que cela s'apparente à un soutien moral à ceux qui prennent les armes contre la République. Ainsi, mérite-t-il les cardinals ou invite-t-il plutôt les cardinals à clarifier ses propos? En réaction, l'analyste politique Christian Thème trouve aucun débordement dans les propos du cardinal Fridolin Ambongo, mais il relève néanmoins l'utilisation des termes forts de la part du numéro 1 de l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Il a dit à Maxime Akem. Le cardinal Ambongo a une mission prophétique. Comme prophète, il doit annoncer, il doit dénoncer, il doit renoncer. Il a prêché avec des termes un peu forts, avec des mots, bien entendu, interpellateurs. Il n'a pas débordé. Il a dit tout haut ce qu'il pensait, ce que beaucoup de gens disent très bas. Alors, je ne pense pas que le cardinal Ambongo peut soutenir une rébellion. Je ne pense pas que le cardinal Ambongo, qui est contre la peine de mort, peut soutenir des actions de tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que le cardinal Ambongo peut soutenir les compatriotes qui sont en train de rejoindre le groupe rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il y a lieu que chacun de nous puisse se ressaisir, que chacun de nous soit responsable de ses propos, de ses actes. On ne doit pas aujourd'hui attribuer l'insécurité, tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, à son éminence, le cardinal Ambongo. Je ne pense pas. L'insécurité à l'est date de plus de 3 décennies. Le cardinal Ambongo n'était même pas encore prêtre, il n'était même pas encore évêque ni cardinal. Je pense qu'il a utilisé un ton un peu fort. Il a utilisé des mots un peu forts également, mais je ne pense pas que le cardinal Ambongo peut en soutenir la rébellion. Que, quand on est fistreux, il faut aller tuer ton frère. Ce n'est pas ça le cas. Prenons le cas de Jean-Jacques Mamba.
Il a beaucoup bénéficié de la République démocratique du Congo. Député, je crois, deux fois. Qu'est-ce que la République ne lui a pas donné? Il le frustrait en quoi? Il était député jusqu'au mois de décembre. Il touchait 21 000 dollars. En quoi Mamba est frustré? Nanga est devenu millionnaire avec l'argent des contribuables congolais. Il a aujourd'hui des carrières minières. En quoi Nanga est frustré? Le parti politique étant de pépinière pour la gestion de la chose publique, les leaders politiques devraient suivre cet exemple venu d'en haut. Tels sont les propos de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, sur la nomination de la première ministre Judith Suminwa, des propos tenus lors du briefing presse avec son collègue de médias. Suivez donc cet extrait choisi pour vous par Doudou Montieri. Il y a des femmes qui regorgent des compétences, mais certaines femmes sont comme un peu des véhicules qui ne démarrent que lorsqu'on pousse. Vous allez vous décourager, vous dites ces véhicules ne démarrent pas. Mais si vous poussez, ça démarre et puis au fil du temps, la batterie se charge. La plupart des femmes, moi j'ai l'expérience comme chef adjoint des partis politiques, je suis allé recruter les femmes pour les mettre dans les comités exécutifs. Aujourd'hui, ce sont des femmes brillantes. Mais si je n'étais pas partie les chercher, on n'allait pas connaître ces compétences des femmes. J'ai fait la même chose pour le cabinet. Je suis allé recruter les femmes parce que mon secteur, c'est quand même un secteur technique du ministère de l'Environnement. Je suis allé les chercher. Les recruter, mais quand elles travaillent, elles sont toutes compétentes. En tout cas, dans la plupart des cas, les femmes sont compétentes. Nous sommes déjà avancés en termes de stratégie. Les stratégies, c'est vous aussi, les médias. Vous allez devoir nous aider avec les images positives des femmes. Aujourd'hui, nous avons pour la première fois une femme première ministre. On commence à aller dans des détails subjectifs du genre, elle n'est pas congolaise, elle est la fille de qui, on ne la connaît pas, elle a quelles compétences. Madame est compétente. Madame a un parcours élogé. Je parle ici de Madame la Première Ministre. Elle a un parcours élogé. Toutes les femmes ne sont pas devant les médias. Mon cas est différent des autres femmes. Elles ne sont pas devant les médias, mais elles sont compétentes. Comme par exemple la gouverneure de la Banque Centrale. Elle n'est pas devant les médias, mais c'est une femme compétente. Donc c'est le rôle des politiques d'aller procéder au recrutement des femmes. C'est aussi de la responsabilité des femmes d'être présentes, de se rendre visibles. En parti politique, il faut la visibilité, il faut que vous soyez aussi audibles, qu'on vous entende, qu'on vous envoie, qu'on vous voie pour qu'on puisse vous recruter. Les partis politiques doivent agir comme des coachs. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont des talents ici, mais vous voyez, des coachs, des entraîneurs circulent le monde entier, vont même dans des quartiers pour aller voir les jeunes gens qui jouent à la balle dans des terrains qui ne sont peut-être pas appropriés, mais on décèle les talents, on prend et on parfait ces talents. Nous ne demandons pas que l'on puisse traiter différemment les femmes dans les médias, mais par contre, nous demandons que le traitement de l'information, qu'on y mette une bonne dose de l'éthique, aussi de la déontologie dans le travail. Parce que, vous savez, l'image qu'on présente de la femme, les médias constituent les quatrièmes pouvoirs. Les médias influencent certaines prises de position. Et aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, lorsque vous lancez directement, pendant que nous nous réjouissons de pour la première fois, nous avons gagné notre combat pour avoir une femme qui dirige le gouvernement, et on commence par des questions du genre. De réaction ne cesse de tomber au sujet de la nomination de la première ministre Judith Suminwa Touloukoua depuis les secteurs de Rwenzori à l'est de la République démocratique du Congo. Jade Vounsapou, coordonnateur de la société civile dans ces coins du pays, estime qu'il est temps que la nouvelle chef du gouvernement corrige les erreurs commises par les hommes depuis l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Il a dit à notre correspondant sur place, Joël Kamam.
une désolation, puisqu'il a fait le tout possible d'amener même ceux qui étaient en exil dans ce pays, de nommer des nouveaux généraux et même de donner d'autres généraux des postes qui n'occupaient pas des commandements. Croyant qu'ils vont lui soutenir pour restaurer la paix dans ce pays. Et malheureusement, tout ce monde-là, à qui même on espérait que s'ils seront nommés, ils vont emporter leur pierre de contribution à la restauration de la paix dans ce pays, tous ces gens-là visaient que des postes. Aujourd'hui, voilà, venait de nommer une femme et les hommes devaient déjà s'évaluer et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour la construction de ces pays. Et là-bas, moi, je trouve l'occasion de pousser à toutes les femmes aussi de montrer de quoi ils sont capables à partir des Mama Judith Toulouk qui ont aujourd'hui à la tête du gouvernement. Puisque ce sont des femmes qui sont victimes dans ces manigances orchestrées par les hommes. S'il y a pas mal de rebelles, ce sont des hommes. S'il y a pas mal de détourneurs de fonds dans les gouvernements, ce sont des hommes. Les femmes aussi venaient de trouver l'occasion. Il serait mieux vraiment aux femmes de se motiver, de se liguer ensemble, voir comment ils peuvent aussi montrer leur capacité à ces hommes qui ont beaucoup échoué. On pensait que nommer tel ou tel dans ces postes, ça va nous emporter la paix. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est que des pires. Au pire, des crises qui surgissent souvent dans les relations entre les assemblées provinciales et le gouvernement provincial ont été au centre des entretiens entre un groupe de députés provinciaux et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Nous sommes des députés provinciaux élus de la ville province de Kinshasa. On a sollicité une rencontre avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Il nous a reçus dans son cabinet de travail. On a échangé sur un certain nombre de points nous préoccupant dans l'Assemblée provinciale et nous sommes très satisfaits. Toutes les préoccupations que nous avons amenées ici, le vice-premier ministre nous a donné des réponses très importantes et nous sommes vraiment satisfaits aux sorties. Et nous sommes convenus avec lui que ça serait un cadre permanent. De temps en temps, lorsque nous avons des difficultés, des problèmes, on viendra vers lui pour que nous puissions poser nos problèmes et attendre éventuellement des solutions. C'est ça, effectivement, nous ne voulons pas revivre ce qu'on a vécu à la législature passée. Nous voulons que cette fois-ci, et le président de l'Assemblée provinciale, et l'exécutif, en l'occurrence les gouverneurs et les vice-gouverneurs, qui ne sont que l'émanation de l'Assemblée provinciale, puissent travailler en synergie. Parce que notre souci est que la ville de Kinshasa, Engenga, comme dit le candidat gouverneur, la ville Engenga, il y a des routes, il y a le problème de l'insécurité dans la ville, il y a le problème de courant, il y a le problème de l'eau. Et l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif, nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens, nos électeurs qui nous ont élus. C'était ça le plus grand problème de la législature passée, l'incompréhension ou encore le conflit entre la législature ainsi que l'exécutif. Et je crois qu'avec tous les conseils de son Excellence, nous allons très bien marcher, nous allons travailler en synergie pour réussir cette fois-ci. Oui, effectivement, nous avons un ticket. Nous avons un ticket de l'Union sacrée, le mot d'ordre a été donné et le ticket répond pratiquement au profil. Nous avons un gouverneur qui nous a été proposé, c'est un gouverneur qui est compétent. À l'entendre parler, il a des bons projets. Il s'appelle Daniel Bumba. C'est le gouverneur qui nous a été proposé par la hiérarchie. Nous l'avons entendu, nous avons suivi son discours et ensemble nous sommes tous unanimes, nous sommes tous d'accord avec lui et nous savons que si nous lui prêtons main forte, il va réussir dans tous les programmes qu'il a. Ça sera vraiment un pari gagné. Comment booster l'élan du développement de la province du Nord-Ubangi en général et du territoire de Yakoma en particulier? Voilà la question qui était au centre des réflexions entre les députés nationaux honoraires Dédé Kodoro, ingénieur civil polytechnicien, et les étudiants de l'Université de Kinshasa, originaires de cette province. Cette conférence débat organisée à l'initiative de ces leaders du Nord Ubangi s'est penchée également sur l'absence de représentants territoires plutôt de Yakoma à l'Assemblée nationale suite à l'annulation de scrutin dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le point avec Boné Nzinga. Cet échange
franc, sincère et constructif entre l'honorable Justin Dédé-Kodoro, revêtu de sa casquette de scientifique, car ingénieur civil, polytechnicien, fruit de cet alma mater, et ses futurs cadres, membres de la communauté étudiantine de l'Université de Kinshasa et surtout du Nord au Bangui, était une véritable occasion pour réfléchir sur la thérapie à apporter aux maux qui rongent la province des Nord au Bangui, l'une des géantes ayant marqué l'histoire du Congo démocratique. Toujours préoccupé par l'émergence de cette dernière, ces leaders incontestables de cette province a voulu, à travers cette conférence débat, associer cette crème intellectuelle à la recherche des solutions durables à la situation qui traverse particulièrement les territoires de Yakoma, dont les élections ont été annulées et jusqu'ici privées de ses représentants à l'Assemblée nationale, et si l'on y prend garde, bientôt à la Chambre haute. D'où une solution urgente et idoine doit être prise par les autorités compétentes, au risque d'être également écartées dans les instances des prises de décision. On a réfléchi pour voir comment nous pouvons ensemble mettre notre énergie pour que la province ait réellement son décollage sur le plan politique. Le cadet a émis le vœu de voir tous les leaders être ensemble pour que demain, que notre province soit aussi compté parmi des provinces phares de notre pays, parce que politiquement, notre province cherche encore et nous pensons qu'avec la synergie qui est en train de se mettre en place, la province va retrouver encore sa place d'attente. Réponse aux questions de l'assistance, c'est la vision qu'il incarne relativement au développement de la province du Nord-Ubangi et du territoire de Yakoma. Sa circonscription électorale était au centre des jeux des questions-réponses, ayant clôturé cette rencontre qui s'est déroulée en toute convivialité, en présence de plusieurs invités des marques, à l'instar d'Adrien Boagirengbo, le numéro 1 du parti politique A2CN, dont de Dédé-Kodoro Justin et autorité morale. Tout à fait autre chose à présent, l'administration militaire de la province, ou en fait de l'Ituri, vient à la rescousse de la communauté islamique, cette province sous l'état de siège, en y apportant des vivres et frais pour soutenir le fidèle musulman en cette période de mois de Ramadan. Autre précision dans ce reportage de nos confrères de la presse militaire de l'Ituri. Suivez. La communauté islamique de l'Ituri entretient de bonnes relations avec l'administration militaire à cette période consacrée au mois de Ramadan. Deux conseils du gouverneur de province, à savoir Claudine Zeni, en charge des questions politiques, et son collègue des infrastructures, Yanoula, ont été dépêchés ce mercredi 3 avril 2024 à la mosquée centrale de Bounia. Question d'apporter l'appui de l'autorité provinciale constituée de vivres, tolki, 30 sacs de riz, 20 sacs de farine de maïs, de bidons d'huile, de sel, de haricots et bien d'autres. Une manière pour le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni d'accompagner la dite communauté pour une fin heureuse de ces mois de prière, précise Madame Claudine Zeni. Nous avons été envoyés par son excellence monsieur le gouverneur de province pour participer avec la communauté musulmane qui est, comme nous le savons tous, en période de Ramadan. Certainement, nous aurons à commémorer, à célébrer une grande fête de fin de Ramadan. C'est pourquoi son excellence, monsieur le gouverneur, a voulu participer avec cette communauté pour la clôture de cette période qui est une période de jeûne et de prière. Ce geste est salué par Cheikh Choukourani Biaroufou, représentant régional de l'entité islamique en Ituri. Nous remercions le gouverneur pour ce geste si louable qu'il vient de faire pour notre communauté islamique. Comme vous le savez, il y a beaucoup de déplacés qui sont avec nous au moment de l'ouverture de Ramadan. Mais le gouverneur, dans son grand cœur, il a passé à nous. Vraiment, nous venons de voir. Merci beaucoup. Pendant 30 jours, les fidèles musulmans ont été soumis à la prière. Ils se sont abstenus à boire et à manger de la levée jusqu'au coucher du soleil. La fête dite filtrée, sanctionnant.
Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Bandjolo. La prise de vue a été assurée par Doudou Montieri en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.